avec vous, je vais commencer. Maintenant que mon maître du temps est là, nous pouvons y aller. Donc je vais vous parler de l'agilité à grande échelle. C'est la reprise donc d'une présentation que j'avais faite au mois de mars lors du Scrum Day à Paris. Alors lors de cette présentation, nous étions deux, puisque j'étais accompagné du DSI de Sarenza, Sarenza.com, les chaussures. J'étais accompagné donc de quelqu'un de Sarenza parce que ma présentation était un retour d'expérience. Alors aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas avec moi, mais comme vous parlez un peu de Sarenza, d'autres expériences que j'ai eues dans le cadre d'accompagnement, donc d'agilité à grande échelle. Et puis Sarenza, on pourrait aller un peu plus loin, puisque maintenant ils ont 10 mois d'utilisation d'agilité à grande échelle. Alors c'est aussi une présentation qui a été faite à Toulouse avant-hier. Alors à grande échelle, je suis tout seul à essayer, donc ça sera une présentation un peu sérieuse sur la façon dont on peut travailler sur de grands projets et de grandes équipes. Donc, grands projets, grandes équipes, c'est ce qu'on appelle en anglais la scalabilité. La scalabilité, le changement d'échelle. Donc une grande échelle. Alors comment l'agilité, comment elle est appliquée la plupart du temps sur les projets? J'ai dit nouveau projet, tiens. On parle souvent, donc je vais faire un projet en mode agile. En mode agile, donc on va dire que c'est le premier niveau de mise en œuvre de l'agilité, c'est bien souvent donc sur ce que l'équipe va appeler son environnement, on va dire, on travaille sur un projet en mode agile. Donc un projet on peut considérer comme isolé du reste de l'organisation. Donc l'objectif, hein, c'est probablement pour ceux qui ont déjà mis en œuvre Scrum, on se heurte vite à des questions de communication, des questions d'interface, d'accostage avec le reste de l'organisation. Donc on peut dire l'objectif, hein, si on croit à l'agilité, c'est d'avoir une organisation agile. Une organisation agile. Donc, parler de Sarenza, eux ils sont partis directement, hein, c'est pour ça que le retour d'expérience est intéressant, plutôt que de partir en agilité en faisant d'abord un projet pilote, puis en diffusant progressivement, ils ont décidé de partir directement en agilité au niveau de l'organisation. L'organisation qui s'est mis à faire de l'agilité en même temps. Donc, un niveau intermédiaire. Alors, pour la petite histoire, j'utilise ce dessin, un dessin de Patrice Courtiade, hein, qui a illustré mon livre. Je l'utilise aussi pour la dette technique, hein, pour montrer que itération après itération, ça devient de plus en plus difficile de rajouter des choses si les bases ne sont pas solides. Bon, et là, donc, c'est un autre sujet. Donc, projet, produit, organisation. Donc, l'agilité, ce que c'est fait pour développer un projet, faire un projet ou pour travailler sur des produits. Donc c'est des choses sur lesquelles on va revenir dans la présentation. Donc, on peut dire que le chemin qui va donc, du projet à l'organisation peut passer par ce qu'on appelle le produit, donc, dans la mise en œuvre de Scrum. Et puis je vais encore utiliser d'autres termes dans ma présentation, donc le terme de portefeuille et puis le terme de programme. Donc l'objectif d'implantation, ça va être de voir comment, à partir de la notion habituelle de projet, on peut, en rajoutant des éléments de méthode agile, on peut aller jusqu'au niveau organisation. Alors,
vais faire un petit sondage dans ma salle. Ceux qui pensent qu'actuellement utilisent l'agilité, donc pratiquent l'agilité au niveau du projet. Donc, je leur demande de se lever. Oui. Je vais voir aussi dans l'assistance. On a une moitié de salle, non ? Je comprends que les autres ne pratiquent pas l'agilité. Alors, restez debout, ça va aller très vite. Quels sont ceux qui pensent pratiquer l'agilité au niveau du produit ? Je ne passe pas par tous les intermédiaires, au niveau du produit. Je peux prendre un exemple, au niveau du produit, on a une pratique qu'on appelle généralement le scrum de scrum. Donc, ceux qui ne font pas de scrum, vous asseyez, les autres restent debout. Et enfin, quels sont ceux qui pensent pratiquer l'agilité au niveau d'une organisation ? Alors, pour donner un exemple, personne. L'exemple qu'on peut prendre, c'est de. Je suis à Toulouse, je vais le reprendre. L'organisation, ça touche les ressources humaines. Et par exemple, on peut dire vous ne faites plus d'entretien individuel. Il n'y a plus d'entretien individuel de fin d'année, qui sont pratiqués couramment dans l'entreprise. On a une autre technique d'évaluation. Je peux le prendre comme exemple parce que c'est ce qui est dans les organisations que je vais citer. J'ai parlé de Sarenza, je pense que c'est une autre qui s'appelle Unique. C'est ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire des entretiens individuels pour faire des évaluations de type évaluation à 360. Je reviens très rapidement. Alors, c'est aussi une introduction pour ceux qui connaissent mal l'agilité. Alors. Dans ma présentation, j'utilise le vocabulaire de Scrum. Donc, un projet, c'est défini. Alors, on parlait juste avant, il y a une question sur le PMI qui a été posée. Là, c'est une définition qui est reprise du PMI. Donc, un projet, un effort temporaire dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Alors, en agile, ça correspond à quoi, cette notion de projet ? J'ai parlé de projet en mode agile, mais dans la réalité, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, un effort temporaire, ce qui se rapproche plus de la notion de projet d'une certaine durée, je dirais de quelques mois jusqu'à un an, deux ans, c'est la notion de release, qui en réalité, une release agile, c'est un peu plus court. Donc une release, on peut dire que c'est une période de temps qui est une succession de sprints. Donc l'habitude maintenant, la tendance, c'est d'avoir des sprints relativement courts, donc de 2 ou 3 semaines, et d'avoir des releases qui vont durer quelques mois, encore des releases qui sont en moyenne de 3 mois, un peu plus court, un peu plus long. Troisième point, alors qui est essentiel, alors qui n'est peut-être pas mis en évidence dans la notion de projet du PMI, mais qui est évidemment fondamental dans toutes les méthodes agiles, c'est la notion d'équipe. Donc l'équipe, dans une équipe Scrum, il y a donc 2-3 personnes, avec 2 rôles spécifiques, le rôle de product owner, qui est donc le représentant des clients et des utilisateurs dans l'équipe, et puis donc le fameux Scrum Master, donc une équipe Scrum. Une équipe Scrum, je continue la définition du projet classique. Projet classique, on dit, il faut créer un produit. Alors en agilité, on a un élément, un outil qui s'appelle le backlog de produits. Donc, le backlog de produits, c'est vraiment l'outil pour créer les produits. Et donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on met dans ce backlog de produits, qui est une liste ? On met des éléments qu'on appelle généralement des stories. Hein. C'est le terme qui est utilisé pour ce qu'on mettait avant en aspect qu'on appelait des exigences, des requirements. Maintenant, donc, on parle de stories qui sont mises dans un backlog avec un plan type, un template qui est maintenant aussi traditionnel dans l'utilisation des méthodes agiles. Donc, on peut dire, pour résumer rapidement, donc, l'équivalent d'un projet classique, hein, ce qui est le plus proche probablement, c'est cette notion de release agile avec un backlog, avec une équipe, avec une release. Donc le but de ma présentation, ça va être de vous montrer comment on peut appliquer l'agilité avec des éléments qui vont au-delà de ce que j'ai défini, donc au-delà d'une release, au-delà d'une seule équipe, avec plusieurs équipes, et puis ensuite, donc, comment cela nécessite d'adapter l'organisation pour y arriver.
Donc je commence, alors je vais m'appuyer donc sur l'accompagnement que j'ai fait chez Sarenza, également donc Uink. Alors ce sont des sociétés qui sont, je dirais, de taille moyenne, pas tout petite quand même. Sarenza, c'est une centaine de personnes. Donc Sarenza, c'est 8 commerces. Et puis Uink, c'est un développeur de logiciels, un éditeur de logiciels dans le domaine financier. Donc elle est un peu plus grosse, ça y est. Personnes, donc 120 développeurs. Donc Sarenza, actuellement, ça doit être 7-8 équipes qui développent en agilité, hein, Scrum, et puis Uink, ça doit être une dizaine d'équipes. Alors je m'appuie aussi sur iScrum. J'ai comme activité aussi de participer au développement projet open source à Scrum, qui est très rapidement un outil qui aide à utiliser Scrum, notamment pour les équipes distribuées. Et donc je joue le rôle de product owner sur Scrum. C'est un produit open source donc, qui est diffusé depuis quelques années, hein, et qui a pas mal d'utilisateurs. Et alors de plus en plus, donc comme product owner, je reçois des demandes d'équipes qui ont utilisé iScrum et qui maintenant souhaitent avoir aller plus loin, donc travailler sur des plus gros projets avec plusieurs équipes. Et donc, c'est intéressant de voir comment les réponses sont variées. Il y a pas, dans ce que je vais vous présenter, c'est une façon qu'on peut utiliser pour procéder à grande échelle, mais il y a évidemment plein de variantes différentes. Alors, donc premier point, plus long. Hein, une release, c'est quelques mois. C'est quand même souvent important, notamment quand on fait des plans, quand on fait ce qu'on appelle des roadmaps, hein, de savoir à un horizon qui va au-delà de la release, donc qu'est-ce qu'on aura comme produit, comme fonctionnalité, comme élément du backlog. On va voir donc une augmentation de la taille de plusieurs équipes. Donc, on va commencer par parler justement de cette augmentation de taille. Cette augmentation de taille donc, un projet plus gros. Donc généralement, un projet plus gros, c'est la taille qui augmente. Simplification, on va dire. La taille augmente, une équipe ne suffit pas, il faut plusieurs équipes. Donc une équipe classique agile, c'est limité à 10 personnes. Si vous êtes plus au-delà, donc il convient d'avoir plusieurs équipes. Donc la notion de programme correspond à peu près à ça, on appelle programme, donc un groupe de projets apparentés dont le management est coordonné afin d'en tirer les avantages et les limites que n'apporterait pas un management individuel. Encore une fois, la définition n'est pas de moi, là, c'est je ne sais pas si c'est du PMI ou de l'AFIS, hein, donc, qui est l'AFIS Ingénierie Système. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs notions de projet tels qu'on vient de voir qui vont travailler. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on fait, c'est-à-dire typiquement pour une équipe, comment on va diviser, séparer les équipes, les backlogs, comment ça marche, est-ce qu'on en a un, plusieurs. Donc c'est à ces questions-là que je vais essayer de répondre. Donc d'abord la composition d'équipe. La façon la plus classique dans le développement traditionnel de séparer les équipes, c'est de faire selon l'architecture, hein, selon les composants. Donc imaginez un logiciel en couche, hein, vous avez donc trois niveaux hein, qui correspondent à vos trois couches, hein, présentation, service, métier. C'était assez fréquent d'avoir des équipes qui travaillaient sur des composants et puis d'autres composants sur lesquels on s'appuie qui communiquent de cette façon-là. Une autre façon de faire, c'est d'avoir une approche plus fonctionnelle, où on va séparer les équipes sur des fonctions de bout en bout. Donc de bout en bout, on va traverser toutes les couches en partant d'un utilisateur pour voir le service rendu à cet utilisateur. Je ne vais pas approfondir cette notion-là. Je vais simplement dire que ce qui est privilégié dans les méthodes agiles, c'est d'avoir une décomposition des équipes basée sur des features, donc des fonctions. Et donc il y a un billet de Fabrice, qui est mon maître du temps, qui a traduit un article de Craig Larman, hein, qui explique très bien donc, l'avantage, l'intérêt d'avoir des équipes
feature donc, sur des gros projets. Donc, partons donc, du principe qu'on a des équipes feature. Ces équipes feature, est-ce qu'elles travaillent sur le même backlog ou elles travaillent sur, sur plusieurs backlogs? En fait, on s'aperçoit dans la réalité que ce qu'on appelle un backlog de produits, bah, c'est peut-être pas le bon mot. Quand on a plusieurs équipes, il est fondamental que chaque équipe ait son propre backlog. Parce que le backlog, c'est l'outil qui va permettre de prioriser le travail d'une équipe. Donc si une équipe n'a pas son backlog, ça va être difficile. On fera donc, on perdra l'intérêt énorme d'avoir donc, ce filtre unique et cette priorisation en amont des sprints. Donc, il est recommandé d'avoir un backlog par équipe. Donc chaque équipe possède son propre backlog. Ça pose quand même, on a quand même besoin d'avoir une vue générale. Imaginez donc un programme avec plusieurs projets. Donc là, on va prendre un programme avec cinq équipes. Donc quelques chiffres ici. Une équipe moyenne, donc une équipe agile, 5 personnes, alors réalise, alors c'est vraiment des chiffres moyens, ça dépend de la durée des sprints, bien sûr. Donc là, on va prendre une hypothèse des sprints de 2 à 3 semaines. Donc ce qu'on constate, c'est qu'une équipe réalise entre 5 et 15 stories par sprint. Je vais prendre une moyenne de 12. Donc 12 fois 5, ça fait 60 stories par release. Si vous avez un programme avec simplement 5 équipes, ça vous donne 300 stories en 3 mois. Donc 300 stories en 3 mois. 3 mois, on se dit, on aimerait bien voir ça dans un backlog pour ça, y voir clair, définir les priorités, ça devient difficile. Donc un backlog de programme, si on va avoir un backlog un programme avec plusieurs équipes et uniquement au niveau des stories, ça ne va pas être très pratique. Il nous faut un élément de plus haut niveau. Alors cet élément de plus haut niveau, ça va permettre, risquer d'oublier les stories, une petite référence à Toulouse, avec il y a plein de programmes à Toulouse, il y a des programmes dans l'aéronautique, il y a des programmes spatiaux notamment, on va dire que le CNES, hein, le CNES fait de l'agilité, pas encore à grande échelle, mais le CNES fait de l'agilité sur les programmes spatiaux. Et en visitant un centre de commande au CNES, hein, ils m'ont présenté des satellites, et j'ai entendu parler de satellites agiles. Les nouveaux satellites sont des satellites pleins d'agilité, qui sont capables de s'adapter à des situations dans l'espace. On n'en est pas plus sur la façon dont on calcule ça. Voilà, on risquerait d'oublier une story, hein, pour un programme spatial de conquête de Mars, par exemple, ça serait fâcheux. Donc story feature, donc une story, la définition qu'on donne traditionnellement, c'est une story, ça apporte de la valeur. Mais on s'aperçoit que ça n'apporte pas suffisamment de valeur pour être utile, je dirais, pour être livré à des clients, hein, pour faire partie de ce qu'on appelle une version qui va être livrée à des clients. Sur une story, c'est pas suffisant. Je prends un petit exemple, on va avoir par exemple un moteur de blog. Un moteur de blog, on fait des billets, et une story, ça va être donc en tant que visiteur du blog, je peux ajouter un commentaire pour dire que je ne suis pas d'accord. Donc ça c'est une story, hein, c'est quelque chose de relativement petit, et donc une story, la règle c'est que ça soit fini dans un sprint. Est-ce qu'on peut faire une version avec simplement ça? Bah, probablement pas, on voudra pouvoir supprimer la story, la modifier, la déplacer éventuellement, pouvoir y répondre, exporter. Donc, on va dire que ce qu'on appelle la feature, ça va être un ensemble de stories qui permettent tout ensemble d'apporter suffisamment de valeur pour être mise en production. Alors la caractéristique donc, qu'on peut associer, comme une story est finie dans un sprint, une feature, on va dire, on va la faire dans une release. En tout cas, donc, c'est important, c'est intéressant d'avoir un backlog de feature pour avoir un aperçu plus haut niveau sur ce qu'il y a à faire au niveau d'un programme. Donc un backlog de features, on va le gérer, toujours en priorité, même principe que le backlog de story. Alors on peut se servir des couleurs, par exemple, pour définir, si on a, dans le cadre de deux équipes, une équipe bleue et une équipe violette, pour définir sur quelles features vont être associées à quelles équipes. C'est intéressant de bien définir, donc, d'associer en tout cas une équipe à une feature. Il arrive aussi que sur une feature, il faut que plusieurs équipes collaborent donc, sur des stories différentes pour donc, réaliser complètement la feature.
Alors, si on passe maintenant au côté organisation, sur donc, les grandes équipes, donc plusieurs équipes en tout cas, donc, on va avoir un découpage en équipes, toujours avec chaque équipe qui possède son Product Owner et son Scrum Master. On a besoin assez vite. Donc, les Product Owners, ils sont vraiment dans l'équipe, ils ont un rôle éminemment tactique, ils travaillent avec l'équipe au quotidien. Il manque probablement de recul pour voir la coordination qui peut être nécessaire entre les différents produits hein, qui sont faits par chaque équipe. Donc, on a besoin de quelqu'un qui coordonne en tout cas ce travail-là. C'est ce qu'on appelle généralement un super Product Owner. D'avoir l'équivalent pour le Scrum Master. Alors, ce qui est important, c'est quand même, quand on travaille, c'était le cas chez Sarenza en particulier, hein, c'est de mettre tout le monde dans la même équipe. Hein, c'est un point fondamental. Alors, chez Sarenza, il y avait, c'est une société relativement récente, mais avec une séparation très nette entre ce qu'on appelle le métier, puis ce qu'on appelle l'IT, hein, ce qu'ils appellent l'IT, les développeurs. Alors, c'était assez caricatural, puisque dans l'IT, on avait. Que les garçons, et côté métier, marketing, vente de chaussures, c'est un peu mode, que les filles. Et donc, on les a mis ensemble à l'émettre. Quelques mois après, hein, quand on les voit, ça a changé leur vie. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques mois. En tout cas, ils ont réappris à parler ensemble parce que c'était assez classique, ils ne se comprenaient pas du tout. Hein. Côté marketing, on entendait, bon, de toute façon, ils ne tiennent jamais leur délai. Et puis, côté IT, ouais, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, de toute façon. Alors, évidemment, un point fondamental, c'est l'organisation des équipes, hein, tout le monde dans la même équipe. En termes de cycle de vie, donc, chaque équipe a son backlog et chaque équipe va avoir son sprint avec ses tâches. On peut avoir donc, des sprints qui soient synchronisés. Donc synchronisés, ça veut dire que même date de début et même date de fin pour toutes les équipes. Et donc si on travaille sur le même produit, ça veut dire qu'on peut faire de l'intégration continue très fréquemment, hein, plutôt d'avoir des problèmes classiques. Donc quand on met les morceaux ensemble, on voit que ça ne marche plus et donc il faut passer du temps à résoudre les problèmes d'interface. Intégration continue, puis c'est renforcé évidemment par la pratique, donc ça permet le fait de faire de l'intégration continue au niveau de plusieurs équipes, permet d'éviter, je ne vais pas reprendre les termes de vie, mais d'éviter de faire des erreurs. Ça réduit les risques notamment, et puis le coût du changement est limité, puisqu'on va garder le principe agile de pouvoir réadapter le contenu de ce que va faire l'équipe, du backlog à chaque sprint. Alors, la pratique qui est la plus connue, la plus utilisée quand on travaille à plusieurs, c'est ce qu'on appelle le Scrum de Scrum. Scrum de Scrum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que chaque équipe va vivre son propre sprint avec ce qu'on appelle son cérémonial, c'est-à-dire ses réunions, la réunion de planification, la réunion quotidienne, le Scrum quotidien, la revue, la rétrospective. A noter que quand il y a plusieurs équipes comme ça, si elles travaillent sur le même produit, on peut faire une seule revue plutôt qu'une revue commune avec les trois équipes, surtout si elles font l'intégration continue. Alors ce qu'on appelle le Scrum de Scrum, c'est une réunion de coordination. C'est une réunion de coordination essentiellement technique, c'est-à-dire si on travaille sur des features, je rappelle les équipes features qui travaillent sur un seul gros programme ici, évidemment des problèmes d'interface à régler. Donc le principe du Scrum de Scrum, c'est après les réunions quotidiennes de chaque équipe, c'est de faire une réunion dite de coordination, Scrum de Scrum, où vont venir des membres de chaque équipe. Alors ça peut être des Scrum Masters, mais comme c'est essentiellement technique, hein, ça peut tout à fait être des développeurs qui vont venir et qui vont parler des problèmes d'interface qu'ils ont avec les autres équipes. Alors, de façon similaire, ce n'est pas connu sous le terme Scrum de Scrum, mais c'est quand même intéressant, c'est de faire des réunions côté métier qui peuvent avoir lieu tous les jours aussi, tous les deux jours, où là il va s'agir de coordonner, de travailler sur le backlog de features et puis de préparer les backlogs des différentes équipes. Donc avec les Product Owners et les Super Product Owners.
Alors ça, c'était la première dimension, hein, c'était l'augmentation de la taille. Deuxième dimension, l'augmentation de la durée. Donc on va parler là de produits. Dans les développements classiques, très rapidement, on a un cycle de vie, il y a des phases, et puis on sépare souvent le premier développement, c'est-à-dire le premier projet, from scratch, le nouveau produit, de la suite, qu'on appelle de la maintenance, qu'on appelle, où on fait de la TMA avec des lots, par exemple. Donc cette séparation classique n'a plus lieu d'être avec le cycle de vie agile, où on a en fait des remises successives. On ne fait pas de différence, il n'y a pas de raison. On cherche toujours à produire de la valeur, que ce soit pour une première remise ou une deuxième remise, on cherche à produire de la valeur, que ce soit des nouvelles fonctions, des demandes d'évolution, des corrections de bugs, tout ça, ça cherche à produire de la valeur. Donc on est dans une notion de flux continu de valeur avec des remises successives. On peut continuer à appliquer l'agilité, Scrum sur plusieurs remises, en fait autant que la vie du produit. Tant que le produit continue à vivre, on peut continuer donc à travailler de cette façon-là avec des remises successives. Alors ce qui peut se passer évidemment, c'est qu'on est au bout de la durée de vie du produit, on peut avoir besoin de faire moins de nouvelles fonctionnalités à un moment donné, ce qui peut amener peut-être à réduire la taille des équipes. C'est donc le principe. Et donc se répète tant que le chef. Donc le triangle, je suis passé tout à l'heure dans l'open space, c'est en train de dessiner un triangle comme ça. Le triangle classique de la gestion de projet. Donc la remise agile, le principe c'est le triangle de gestion de projet qui est basé sur la notion de le budget au coût. En développement logiciel, le budget c'est essentiellement le temps passé par l'équipe, la date, et puis le périmètre fonctionnel. Donc la notion de release agile telle qu'on la voit, donc elle pousse à avoir le coût fixé à l'avance, la date fixée à l'avance, et puis de faire en sorte d'avoir le plus de valeur possible. Donc on va ajuster le périmètre fonctionnel pour maximiser la valeur. Alors, c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps, mais d'habitude en cycle plus traditionnel, on ne le dit pas, on le cache. Là, c'est affiché, on cherche donc à ajuster le périmètre fonctionnel. Parce que les choix selon les méthodes agiles, le choix évidemment c'est que la raison pour laquelle on va se lancer dans l'agilité, c'est parce que le périmètre évolue. En fait, il évolue tout le temps. Un peu de technique de management visuel, donc ce qu'on appelle le plan de release. C'est une représentation des sprints qui donne un horizon à quelques mois, donc l'horizon de la release, durée de 3 à 6 mois, et qui présente pour chaque équipe les stories qui vont être réalisées, qu'on prévoit de faire, en tout cas dans les sprints qui viennent. Donc le principe qu'on applique ici, c'est qu'une story, normalement, elle est finie à la fin d'un sprint. Si on travaille à grande échelle, on va avoir un niveau supérieur de planification, on appelle généralement une roadmap. Donc dans cette roadmap, on va trouver en colonne les différentes releases, donc les releases successives, donc là, on les a à échéance de 3 mois. Et puis, on va retrouver comme élément les features, avec le principe donc qu'une feature soit finie dans une release. Donc c'est ce plan-là qui donne qui présente donc ce que l'ensemble des équipes d'un programme, prévoit de réaliser dans les mois, dans l'année qui vient. Alors, on a regardé quels étaient les effets de l'augmentation de la taille d'abord, avec la notion de programme, avec la notion de produit, on a vu la notion de la durée qui a augmenté en fait. Maintenant, on va faire augmenter les deux en même temps. Donc, pour arriver à la notion qu'on peut qualifier de portefeuille. Leur portefeuille, c'est généralement quand on travaille chez les éditeurs, par exemple chez Uink, ils ont un portefeuille de produits, avec donc, des lignes de produits, des produits qui sont regroupés, parfois des produits annexes, l'ensemble constitue un portefeuille. Chez Serenza, ils parlent plutôt de système d'information, parce que là, ils ne vendent pas des produits, mais c'est leur site web, en fait, le
produit. Donc, le système d'information de Sarenza est constitué d'un certain nombre d'éléments, des applications, des projets. On va voir d'ailleurs cette notion de vocabulaire. Donc, au niveau du portefeuille, voilà, plein de choses comme ça. Et évidemment, là, on va encore augmenter, puisque l'on augmente à la fois la taille et la durée. On va rester au niveau des features. Donc, une équipe, toujours de 5 personnes, des sprints de 2 semaines, elle réalise, je dis à peu près, une douzaine de stories tout à l'heure, hein, une douzaine de stories par sprint. Bon, on peut dire qu'en moyenne, elle va faire 2 features. Donc, une feature, ça fait à peu près 6 stories. C'est une moyenne, bien sûr. Donc, 2 features par sprint, si on prend 5 sprints dans une release, ça fait 10 par release. Et donc, si je compte bien, si on a une organisation qui travaille sur un portefeuille ou un système d'information et qui est constituée de 10 équipes, qui a des releases de 3 mois, ça va donner à peu près, si je ne me suis pas trompé, 300 features par an. 300 features par an, si vous mettez ça dans une roadmap, il nous faut encore un élément, alors pour, vraiment, pour les trois organisations, si on veut avoir une vision du plus haut niveau, il nous faut un élément supplémentaire, encore plus gros que cette notion de feature. Alors comment l'appeler? Si on regarde les appellations, c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. On trouve des applications, vous reconnaîtrez peut-être des termes que vous utilisez. Alors le terme le plus usuel, c'est quand même des projets, hein, puisque finalement, que ce soit des petits projets, des grands projets, des projets transverses, des projets stratégiques, on appelle souvent ça les projets. Donc chez Sarenza, par exemple, ils appelaient ça les projets. Peut-être qu'ils le font encore un peu. Des projets, ils mélangeaient dans la même vision stratégique des vraiment gros projets avec des toutes petites choses qui duraient quelques jours. Donc les petites choses qui durent quelques jours, c'est plutôt ce qu'on appelle les stories et les features. Là, l'idée, c'est de mettre vraiment les choses importantes. Donc, un terme qui est utilisé par Jim I. Smith, qui est un des fondateurs, participant au manifestation, j'en ai parlé, donc c'est la notion de capacité. Capacité, c'est assez proche de feature, parce que si on regarde dans le dictionnaire, la traduction la plus usuelle de feature, c'est capacité, donc ça ne va pas aller. Alors, on parle aussi de thème dans l'extreme programming. C'est un peu différent, c'est un regroupement plutôt fonctionnel. Donc le terme qui est utilisé, qui vient aussi d'extreme programming, c'est la notion d'épique que j'ai repris. Donc la notion d'épique qui est qualifiée de grosse story. Alors là, je vais l'utiliser comme une capacité de nature fonctionnelle ou technique qui vise à apporter un avantage vraiment compétitif. C'est-à-dire quand on discute de stratégie, on ne parle pas de feature, on parle encore moins de story, on va parler de ce niveau-là, donc qui sont les épiques. Ça dure longtemps, le développement peut durer longtemps, donc c'est pas fini en 3 mois. Souvent, ça peut durer plusieurs mois, voire un an. Ça peut porter sur plusieurs produits. Hein, si on a un portefeuille de produits, eh bien, on va avoir des épiques qui vont porter sur plusieurs produits. Et ça comporte souvent des aspects techniques. Donc, des exemples d'épiques techniques, ça va être un changement de système de licence, ça va être une application que vous avez en client serveur et que vous allez porter sur le web. Vous voyez que ça touche. Il y a des aspects techniques, des parties fonctionnelles. Et puis maintenant, on voit beaucoup de portages sur mobile qui correspondent donc à des épiques, parce qu'il peut y avoir en fait derrière plusieurs features pour les types de mobiles, pour les applications qu'on va porter, il va y avoir un combinatoire important. Donc, voilà, des épiques. Alors, j'utilise les termes plutôt Scrum dans mes présentations, mais épique par exemple. Épique, c'est pas Scrum maintenant. Si, c'est XP au début. Je parle de Scrum quand même. Alors, les épiques techniques, ça, c'est donc c'est des gros projets, ce qu'on appelle habituellement des gros projets. Et donc, quand ça a une partie technique, il peut être nécessaire de faire des études avant de les dispatcher sur les équipes, avant en gros de les transformer en features et de les affecter à des équipes. Alors, j'ai pris l'exemple de Sarenza ici. Là. Donc, quand ils ont des gros projets techniques, donc déjà,
Ils ont une petite fiche pour présenter donc ceux qui proposent les projets. Donc, ça peut être des product owners, ça peut être le comité de direction, ça vient plutôt donc des équipes ou des gens métiers. Donc les équipes techniques peuvent venir du directeur technique lui-même. Ils ont une petite fiche pour définir ces épiques. Dedans, donc, ils mettent des éléments importants, donc, notamment, puisque on est au niveau stratégique, des éléments de retour sur investissement, donc, la valeur que ça va apporter. Et puis, évidemment, ils sont intéressés aussi de savoir, d'avoir une estimation de combien ça va coûter. Évidemment, à ce niveau-là, c'est très difficile. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les études d'architecture sont utiles, c'est pour mieux maîtriser donc, l'effort de développement qui va être nécessaire. Et donc, chez Sarenza, donc, le comité de direction, le CODIR, gère une liste d'épiques et la remet à jour, l'étudie toutes les 6 semaines. Hein, vous voyez, donc, ça change un peu en termes d'échelle de ce qu'on a au niveau des systèmes d'information avec je ne sais plus le nombre d'utilisateurs de gros systèmes d'information, mais c'est plutôt de l'ordre de remise à jour tous les schémas directeurs. C'est plutôt des mises à jour qui sont faites tous les ans. Là, on arrive évidemment beaucoup plus rapidement. Alors ces études, elles peuvent nécessiter évidemment du travail, évidemment. Et donc, il peut y avoir des personnes spécialisées en architecture qui sont peut-être détachées pour travailler et détachées des projets pour faire ces études, qui sont des études de faisabilité, des preuves de concept. Et donc, c'est une fois que ces stories sont jugées prêtes par le comité de direction, qu'elles ont été priorisées, qu'elles vont être donc affectées aux différentes équipes. Les épiques vont être décomposées en généralement plusieurs features, chaque feature associé à une équipe. Donc en termes de coordination technique par rapport à notre schéma de tout à l'heure, donc on peut avoir donc des architectes. Alors j'ai parlé d'architectes au niveau des études. Dans l'agilité, on n'a pas des architectes qui restent qu'à faire des études et qui disent aux autres ce qu'ils vont faire. Ce qui est important, c'est qu'après ils participent, ils mettent les mains dans le conduit avec les membres de l'équipe. Donc, les personnes qui ont participé à l'étude vont venir ensuite dans les équipes travailler avec les autres développeurs. Parfois, sur certains projets techniques, dans Sarenza, le product owner va être quelqu'un qui est spécialisé en architecture. Donc, on a un backlog, un autre backlog, qui est ce backlog d'épique, qui lui est unique au niveau d'une organisation. Autant de backlogs de story qu'à l'équipe. Il peut y avoir plusieurs backlogs de features et on aura un seul backlog d'épique dans lequel on va trouver des éléments fonctionnels, des éléments techniques et une priorité qui est définie par dans le cas de Sarenza, en tout cas par le comité de direction. L'agilité, la grande échelle, on y arrive presque, hein, donc on va parler maintenant un peu d'organisation. Alors l'agilité à grande échelle, ne confondez pas avec le mode pompier. On a parlé de mode agile, hein, c'est un terme qu'on utilise souvent, mode agile. Alors, on l'utilise encore plus souvent, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, travailler en mode pompier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà, c'est pas ce que je vous présente. Alors, je ne dis pas qu'on ne le fera plus jamais, mais bon. L'objectif, c'est d'avoir, vous l'avez vu avec les releases et les sprints, un rythme régulier. Donc la grande échelle, au niveau d'une organisation, un point, c'est important de garder, on a vu qu'au niveau des projets, pour ceux qui utilisent Scrum, qui utilisent des tableaux, des post-it, c'est quand même quelque chose d'extrêmement efficace. Donc cette notion-là, il faut la garder au niveau des organisations. Donc les organisations agiles ne font plus de diagrammes de Gantt, ne font plus de work breakdown structure, donc de décomposition du travail, n'ont plus besoin de connaître les chemins critiques en faisant des diagrammes de perte. On n'a plus besoin de ça. Donc, là, l'exemple que je vous ai montré, c'est un tableau des tâches, classique en Scrum.
En l'état, je n'avais pas encore parlé, on avait parlé de story, de feature, d'épic. On a aussi des tâches. Donc les tâches, c'est des petits morceaux de travail qu'on va faire dans les sprints, hein, qui sont de l'ordre d'une journée. Donc trois niveaux de backlog. Donc un backlog d'épic, unique, des backlogs de feature et des backlogs de story. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui font du cinéma ici. Niveau, quel niveau ? Il n'a pas ça. Donc la traçabilité, on pose souvent la question de traçabilité, si on fait de l'agilité, on écrit sur des post-it, il n'y a plus de traçabilité. La traçabilité, il est évident que si on a des backlogs à différents niveaux, hein, on peut avoir un lien entre les clics, les features qui vont être mises sur, dans les backlogs par les product owners, et puis les stories qui vont être faites par les membres de l'équipe. Et qui correspondent aux features, traçabilité. Alors cette traçabilité n'est pas stricte, on peut très bien voir, et c'est le cas dans Sarenza, on peut très bien voir des éléments qui rentrent directement au niveau feature, au niveau story, sans passer par le niveau supérieur. Il faut quand même garder une grande souplesse à ce niveau-là. Donc, je ne dis pas de WBS, mais on a quand même une espèce de structure d'agilité en disant donc l'épic c'est gros, l'épic c'est gros morceau. Donc, alors j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une story avec un ajout de commentaire. On peut dire ajouter un commentaire, c'est une story. L'ensemble des fonctions qui sont relatives au commentaire, donc ajouter, supprimer, c'est une feature. Si on a plusieurs produits, mettre des commentaires sur tous les, voilà, sur tous les produits, donc, moteur de blog, on peut éditer des articles et tout. Donc mettre des commentaires sur cet ensemble-là, ça pourrait correspondre à ce qu'on appelle donc une épique. Et puis une tâche, c'est un élément beaucoup plus petit qui, lui, n'apporte pas de valeur directe. Ça va être une tâche de développement, une tâche d'intégration, par exemple. Donc, prendre un éditeur riche pour pouvoir faire le commentaire. Si on regarde la vie de ces différents éléments, la vie avec des états. Alors, les états, c'est un exemple. Hein, ici, on peut tout à fait avoir des états différents. Si on a les tâches. Dans un tableau Scrum, il y a trois états, c'est simple, à faire, en cours et fini. Et donc une tâche, elle est finie en moyenne en un jour, elle devrait être finie et qu'elle est pire en deux jours. Si on regarde la story maintenant, la story, elle peut avoir une durée de vie un peu plus longue. Alors ça dépend si on fonctionne en mode flux ou si on a déjà un backlog qui est bien préparé avant le démarrage d'une release. Là, il y aura un certain nombre de stories qui seront là au démarrage du premier sprint. En tout cas, donc, la réalisation elle-même, quand elle est faite par une équipe, hein, c'est de l'ordre de deux semaines. C'est de l'ordre de la durée du sprint, puisque une story est finie en un sprint. Au niveau de la feature, donc, on est dans la release, donc la durée de vie, la durée à partir du moment où on a commencé à travailler dessus jusqu'à ce qu'elle soit finie, ça va être de l'ordre de 3 mois, donc l'épic, ça va être de l'ordre d'un an. Donc des éléments qui sont gérés dans des backlogs, des estières, comment utiliser ces éléments pour faire donc, de la planification, on a généralement besoin d'estimer l'effort de développement. Donc l'effort de développement sur les tâches, une pratique de Scrum, je dirais, de base, c'est une estime en heure, une pratique qui est maintenant aussi généralement accepté par les équipes qui ont de la maturité, c'est simplement les compter, donc d'estimer, enfin, compter le nombre de tâches. Sur les stories, on estime généralement en points, là aussi sur les équipes aguerries ou qui ont des stories à peu près équivalentes, on peut simplement les compter, donc ça c'est classique. Et comment ça peut marcher sur des choses plus grosses? Les features. Donc les features, on peut utiliser également des estimations en points, pour les features, donc une estimation au début et ensuite donc on peut la réajuster lorsqu'on aura des composants story. Alors sur les épiques, je ne sais pas trop comment on peut faire pour estimer l'effort. Chez Sarenza, ils font quand même des estimations en un jour sur les épiques, en gros. Donc les applicateurs classiques,
Alors, une notion qui est fondamentale, si on veut vraiment mesurer des choses intéressantes, avoir des indicateurs, c'est estimer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée sur les tâches, ben, il y en a pas. Les tâches n'apportent aucune valeur. Sur les stories, hein, quand on fait l'exercice, on voit que sur les stories, c'est quand même très difficile à estimer. La raison, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'une story toute seule, ça n'apporte pas suffisamment de valeur. Donc c'est tout à fait adapté au feature, hein, la notion de valeur. Alors comment estime-t-on la valeur? On peut l'estimer en euros, mais je n'ai rencontré personne en France qui est capable de le faire. C'est extrêmement difficile. On estime plutôt de façon relative. Donc là aussi, on peut utiliser des points ou des outils, hein, qui sont des morceaux d'utilité. Il n'y a pas seulement de la valeur financière. Et puis, pour les épiques aussi, là, c'est souvent une valeur financière, mais chez Serenzas aussi estimée de façon relative. Ça peut permettre de produire des indicateurs. Un indicateur montre la valeur cumulée à la fin de chaque release sur deux années successives. C'est important de montrer que la valeur a augmenté d'une année sur l'autre. Tout ça est structuré rôle, donc c'est un peu ce qui... L'organisation chez Unique, hein, pour dire qu'on peut faire aussi, c'est pas un organigramme, c'est un mind map, pour montrer une organisation avec des programmes et des produits, donc les équipes Scrum. Pour finir, donc, il y a la notion de rythme qui est essentielle, hein, la notion de ce qu'on peut appeler le train de release, c'est d'avoir des releases donc avec un rythme régulier. Tous les 3 mois, on sait qu'on a une release. Alors, les sprints, c'est Thierry Cross qui disait mercredi à Toulouse que le terme était mal choisi, hein, le terme de sprint, parce qu'un sprint, c'est une course à fond, un athlétisme, alors que là, ce qu'on fait avec Scrum, c'est plutôt une course de fond. Parce qu'on ne s'arrête pas entre les sprints. Par contre, il est bien d'avoir une respiration entre les releases, donc d'avoir entre deux releases une période qui peut être d'une semaine, on fait ça tous les 3 mois, pendant laquelle on va faire une rétrospective plus poussée, donc une rétrospective de release qui peut durer une journée, et si c'est un moment aussi où on peut faire des changements dans la composition des équipes. On conseille d'avoir des équipes stables pendant une release, entre des releases, on peut changer les équipes. C'est à ce moment-là aussi qu'on va préparer les backlogs pour les releases suivantes. Donc il va y avoir ce travail de décomposition des features en story notamment fait par les différentes équipes. Quelques conseils. Je passe là-dessus. Je voulais juste finir avec du management radical pour vous dire que parce que je vous ai présenté. C'est des choses qui sont déjà mises en œuvre. J'ai cité 2 sociétés, mais il y en a d'autres en France qui font déjà ça. Et puis, ça correspond à un mouvement, quand même, hein, qui déborde peut-être de l'agilité, mais du management. Et j'ai lu pendant l'été le livre de Steve Denning, Management Radical. J'ai repris les principes, les 7 principes qu'il met en avant. On retrouve des choses. Fait du domaine de ce qu'on présente dans les méthodes agiles. Alors, les méthodes agiles ont fait de la valeur pour les clients. Là, il va plus loin, il cherche à enchanter les clients, faire des produits qui enchantent les clients. Donc, l'équipe auto-organisée, c'est ce qui est classique. Transparence, bien sûr. Auto-amélioration. Donc, on parle souvent d'amélioration continue. Là, il va plus loin, c'est de l'auto-amélioration continue. C'est bien pour bien montrer que c'est l'équipe qui s'améliore elle-même. Donc c'est le livre de droite dont je viens de vous parler à l'instant, Radical Management. Donc je conseille à ceux qui ne connaissent pas l'agilité, les managers qui ne connaissent pas l'agilité, ou dans les organisations si du management qui ne connaît pas bien l'agilité, ils peuvent lire ce livre-là. Donc l'autre sur lequel je me suis appuyé, notamment pour tout ce qui est notion d'épique, de feature, c'est le livre de Tim Bethidwell. Agile Software Requirements. Je vais conclure, mais vous ne pouvez pas terminer sans ajouter une touche de rugby. Alors, je ne vais pas parler de la rivalité entre Toulouse et Bordeaux pour le rugby, mais pour le foot, c'est d'accord. Il arrive, quand on va au stadium de Toulouse, qu'on soit enchanté par le match, par le jeu.
du Stade Toulousain, et donc on fait des hauts là. Pour rebondir sur le enchanté des clients de Steve Denning, et puis pour souhaiter que dimanche matin, on soit tous en train de faire la hauts là, que les 10 000 spectateurs qui seront dans le stade Auckland fassent la hauts là. Et donc ce que je viens de vous présenter, le Agilité à grande échelle, c'est le titre du nouveau chapitre de mon livre Scrum, donc de la deuxième édition.